tout le monde, c'est Alix de Koh-Lanta. Je suis actuellement au Lavaredo Ultra Trail by UTMB pour faire l'assistance de Mathieu Blanchard sur le 120 km et je suis vraiment ravie de vous emmener avec moi. J'ai découvert le trail grâce à Mathieu Blanchard il y a 2 ans. Il m'a accompagnée dans mes débuts dans la discipline. C'est lui qui m'a fait découvrir un petit peu tout ça, qui m'a cadré. Pour moi, clairement, le trail, c'est aujourd'hui une thérapie. C'est ce qui m'a aidé et ce qui m'aide aujourd'hui à faire le deuil de ma sœur. Je pense que ça me forge le mental, mais ça me forge aussi physiquement. Préféré au monde, c'est Moréa à Tahiti. Tout ce qui t'entoure, ça t'apporte une énergie, mais vraiment qui est intense. Bah, c'est là-bas où vraiment j'ai connecté avec le trail running. J'aime vraiment le fait que ce soit un sport individuel, mais on dirait que c'est quelque chose qui est fait en équipe. L'assistance aujourd'hui, en trail running, à mon sens, ça devient vraiment un facteur de performance. Tu peux pas faire ça si t'es forcé à le faire. Ça va se voir dans ta relation avec l'athlète. Il faut vraiment que, je pense que les deux personnes regardent dans la même direction sans dire « ok, toi, je suis dans l'ombre de toi ». Non, ça marche pas. Ça marche. C'est vraiment un rôle d'équipe. Et puis, c'est un rôle que je prends vraiment à cœur. Connexion, nature et dépassement de soi. Ça fait 3 mots et demi. Au-delà de son entraînement, ce qui me semble essentiel pour un trailer, ça va être le fuel, le fuel qu'il ingère. C'est comme dans un véhicule, si tu mets pas le bon carburant, tu peux pas performer. Pour moi, aujourd'hui, la nutrition fait partie entière de l'entraînement. C'est mes parents. Ah, ils sont à fond. Ils sont plus à fond que moi-même. Ils sont plus dans la course que moi-même. Il y a toujours un petit message, même à distance. Hein. Et c'est vraiment une force pour me dépasser aussi, je pense.